Vous oubliez, je crois, où vous êtes. Merci. Nous nous sommes vus hier soir au bal, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas beaucoup dormi depuis. Vous devriez aller dormir, au lieu de faire la cour aux femmes dans les lieux saints. Ainsi, vous êtes amoureux de moi? Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui pousse un homme de votre âge à venir embrasser la main d'une femme sur son prie-Dieu, en pleine messe? Peut-être tout simplement l'ennui. Deux choses dissipent l'ennui de mes journées. La poursuite des belles femmes et la recherche des bons vins. Or, à cette heure-ci, les tavernes sont fermées et presque toutes les femmes sont couchées. Presque toutes. Qu'espérez-vous de moi avec ce beau discours? Quand je vous aurai quitté, j'aurai tué une heure ou deux de ma journée. Tué le temps? Oui. Il n'a pas besoin de vous pour cela. Il meurt à chaque instant. Il me semble au contraire qu'on devrait vouloir le retenir, l'empêcher de mourir. Je n'aime pas les entreprises désespérées. Il les aimait, lui. Je voudrais que vous veniez avec moi, là où je vais maintenant. Là où vous irez, j'irai, madame. Quelle matinée enivrante. La messe, maintenant l'hôpital. Pensez-vous qu'il soit moral de s'amuser autant? Venez. Êtes-vous déjà venu ici? Ah non, ça je vous le jure, jamais. Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. J'ai une triste nouvelle, le vieux Blanec est mort. Quand cela? Hier, en fin d'après-midi. Et je ne l'ai pas revu. Il vous a attendu. Je devais venir, je lui avais promis. Et à cause de ce bal, je ne suis pas venue. Et les autres? La vieille Élise s'accroche, elle voudrait voir le mariage de son fils. Tiens. C'est pour toi. Quand tu sortiras, tu iras danser. Tu les mettras et tu penseras à moi. C'est promis? Je la trouve plus mal. Le
Le docteur lui donne quelques jours encore et ce sera fini. Je voulais vous montrer des gens pour lesquels chaque minute est précieuse. Pourquoi ? Parce que pourquoi chaque minute sera-t-elle précieuse pour ces pauvres imbéciles ? Que leur apporte une minute de plus ? Une minute de vie ? Mais de quelle vie ? Dans ce palais superbe aux parfums délicieux. Vous m'avez conduit là pour me convertir à la joie ? Je ne sais pas. Oui, je crois. Je voudrais du vin, moi aussi. Un autre verre et encore du vin. Malheureusement, je ne peux pas me sentir heureux d'être plus heureux que les plus malheureux. Je lui avais promis de venir. Et à cause de ce bal, je ne suis pas venue. Et il est mort tout seul. Qui était ce vieillard? Je ne sais pas, c'est là, à l'hôpital, que je l'ai connu. Personne ne venait le voir, jamais. Il a demandé qu'on me donne ses lunettes. Madame de Chérois, vous êtes une drôle de fille. Hier, au bal, dès que je vous ai vue, j'ai eu envie de vous. Ce matin, à l'église, encore plus. Et maintenant, je voudrais vous prendre toute mouillée de larmes contre moi et vous faire pleurer à mon tour. Autrement. Taisez-vous. Mais c'est à ces choses-là qu'il faut penser, pas au vieillard mourant. Je sais à quoi je veux penser. Et je sais, moi, pourquoi je vis. Mais vous, pourquoi vivez-vous? Je ne sais pas. On m'a lancé. Je roule. Gardez ce regard pour vos vieillards. Bon. Quant à moi, maintenant, je vais aller rouler plus loin. Plus de 2 heures que nous sommes ensemble. Merci.